Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la très branchée rue Sainte-Marthe dans le 10e arrondissement. Elle est cachée entre le boulevard de la Villette et l'hôpital Saint-Louis. Cette rue possède un charme unique à Paris avec ses boutiques et ses restos qui ont l'air fabriqués de briques et de broc. Mais si vous poussez les portes et que vous rencontrez les habitants et les commerçants, vous verrez qu'ici, on cultive un certain art de vivre et une volonté affichée de ne pas se fondre dans la masse. Allez, vous me suivez en selle pour un nouveau numéro de Paname. Bonjour candidat. Eh ben, comment ça va? Ça va bien. Merci de m'accueillir sur la place de votre village. Alors, ce n'est pas un village, nous sommes à Paris. Ça je sais. On va commencer déjà par prendre un café, on va parler de Allons-y. Tout ça. D'accord? Bienvenue. Alors vous dites village. Bien sûr village, donc, parce qu'on dit village parce que les gens ils se connaissent, ils disent bonjour, ils s'interpellent. Et place du village. Donc ça fait quand même plaisir dans une ville que Paris où maintenant les gens ils sont tous repliés les uns sur eux-mêmes. Ou un peu partout, donc on se dit c'est un endroit préservé, c'est un endroit super, tout le monde est très sympa. Et puis c'est devenu quand même la rue très très branchée du quartier maintenant. C'est ici qu'il faut être. Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut être. En tout cas, quand je suis arrivé ici il y a 30 ans, parce que je suis arrivé ici en 86, ici c'était toutes les boutiques étaient fermées, tout était fermé. Donc c'était une espèce de quartier qui était à l'abandon, une espèce de Far West un peu bizarre. Très étrange. Et malgré tout, vous avez eu envie d'habiter ici, pour quelle raison? Eh bien, à l'époque, je me suis dit, quand il y aura des fleurs aux fenêtres, je partirai. Je ne pensais pas rester aussi longtemps. Et aujourd'hui, il y a des fleurs aux fenêtres et je n'ai pas l'intention de partir. Donc c'était un Far West, comme vous dites, c'était un territoire à reconquérir. Un quartier auquel il fallait redonner sa dignité, quoi, qu'il avait perdu depuis très longtemps, puisque depuis 1860, il y avait des immeubles qui n'avaient jamais été ravalés. Il faut quand même savoir qu'ici, c'est d'abord une cité ouvrière. Qui a été créé à la fin du 19e siècle à l'initiative d'un aristocrate qui s'appelait le comte de Madre, qui était à ses heures aussi notaire et qui était aussi un homme d'affaires. On est dans le Paris haussmannien. Ici, c'était des terrains maraîchers. Il fallait loger des gens. Tout l'ouest parisien était complètement transformé. En chantier. En chantier. Donc le comte de Madre, il avait mis en place ce qu'on pourrait appeler le deux pièces cuisine d'une certaine manière, et qui a été quand même les conditions de logement de la classe ouvrière parisienne jusqu'à la fin de la guerre. Et donc ça a donné le style, pour revenir un peu à cela, parce que ça faisait partie des motivations de Saint-Louis-Sainte-Marthe en tant qu'association, de réhabiliter le patrimoine architectural de cette cité, qui est le style de Madre, qui sont donc des immeubles de 3 étages, avec les locaux en rez-de-chaussée. Ouais, vous avez gardé l'esprit. Il y a juste un immeuble là-bas, au fond, dans une rue. Oui, lui reste vous l'avez vu de... Oui. Ça nous désole qu'ils soient encore dans cet état-là, parce que c'est une verrue, comme on pourrait dire, et qui... Il est le témoin, quelque part, de ce que vous avez vu il y a 30 ans. Si nous devons y aller, je suis très contente de vous y aller. Eh bien, on va y aller, on va aller le voir. Allez, on y va. Et voilà. Et voilà. Le voilà. Donc on est au 15 de la rue Jean et Marie Moineau. Et bien c'est le seul immeuble qui pour l'instant n'a pas été sauvé de l'eau. Alors on a déjà interpellé les pouvoirs publics pour que cet immeuble soit réhabilité comme les autres. Mais pour l'instant ça traîne. Donc là il est vétus, mais à l'époque de sa construction, au 19e, c'était un modèle. Tout le quartier était un modèle de logement pour les ouvriers. Donc ça veut dire que dans les arrière-cours, il y a plein d'ateliers encore. Exactement. Enfin, il y en avait. Maintenant, c'est devenu autre chose. Les ateliers sont devenus des lofts, sont devenus des logements. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Il y en a un juste à côté, je crois, là. Ouais, venez, venez, je vous en mets. On est où, la candidat, là? Donc, c'est une cour qui est commune à plusieurs immeubles. C'est une belle réussite au niveau de la réhabilitation. Et ça vous donne une idée, vraiment, de comment les gens ils vivaient à l'époque. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que tout était ouvert. Vous passiez de la rue Jean et Marie Moineau à la rue Sainte-Marthe. Vous pouviez déambuler dans les cours. Et plein de monde partout dans les cours. Bah, les gens y travaillaient. Les gens y travaillaient dans les cours. Qu'est-ce que c'est devenu, là? Ici, maintenant, c'est des jeunes gens qui font ce qu'on appelle du coworking, si je m'exprime correctement. Donc, ce sont des espaces, des jeunes gens qui travaillent ensemble. Merci, candidat.
de cette de visite du quartier. Et j'espère que tout ça vous a intéressé. Donc, bonne journée à vous. C'était passionnant. Merci, au revoir. À bientôt. N'hésitez pas, au revoir. Sur les conseils de candidats, je me perds dans les cours et les arrière-cours des immeubles d'habitation. Des lieux pleins de charme, préservés, à l'abri de l'agitation du quartier. Si je croise quelques artisans dans leur boutique vieillotte, la plupart des ateliers ont été réinvestis et transformés par des artistes, des architectes ou des graphistes. Tout autour de la rue Saint-Marthe, on crée, on imagine, on pense. En arrivant rue Sainte-Marthe, j'avais repéré cette boutique improbable, totalement dans l'esprit des rues colorées du quartier. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Qu'est-ce que vous faites de beau ? Là, je suis en train de faire une lampe. Voilà, une appli pour une commande. C'était un lampadaire autrefois, ça ? Non, c'était sûrement une pièce d'aspirateur ou autre, une pièce d'usine ou peut-être une applique aussi, plafond. Donc, voilà, qui va revivre une seconde vie. Dites-moi là, je comprends pas bien où je suis. Je suis dans une boutique brocante, un atelier. Chez vous, à la maison ? À la base, c'est notre atelier. Moi, je suis illustrateur. Ma compagne fait des bijoux. Et on a commencé à faire notre atelier boutique. On a invité différents créateurs à venir. Ça, c'était les premières années. Et maintenant, on a fait aussi un petit peu de brocante. Parce que moi, je suis passionné de brocante. J'aime beaucoup récupérer des choses dans la rue ou traîner dans les puces. Et puis, petit à petit, il y a eu de la demande pour du sur-mesure, en bijoux, en meubles, en objet de déco ou en dessin aussi, en couture. En couture ? Oui, en couture aussi. Vous faites de la couture ? Voilà, ouais. Et donc finalement, on n'est plus que tous les deux et on répond aux commandes, quoi. Comme elles viennent. Les commandes, par exemple, en général, c'est quoi ? C'est une lampe, là, mais ça peut être quoi d'autre ? C'est beaucoup de tables. À Paris, c'est des tables sur mesure. J'essaie de récupérer aussi des matières gratuitement, comme ça, je peux faire baisser le prix. Parce que, bon, c'est des gens du quartier, il y a différents budgets, quoi. Et comment vous êtes arrivé ici ? C'était un père et son fils qui ont travaillé 30 ans ici. C'est vrai que quand je suis rentré, ça m'a parlé. Pourtant, il n'y avait plus rien. Hein. Ça faisait très longtemps qu'il était parti. Mais je sais pas, ça m'a parlé. Je me suis senti bien. Après, j'aime bien le quartier de Belleville. Puis après, j'ai commencé à découvrir le quartier de Sainte-Marthe qui a beaucoup bougé depuis que je suis arrivé. Voilà. Il y avait une âme ici ? Ouais. Ouais. Et votre femme, elle fait des bijoux, elle ? Oui, alors son atelier est dans le bureau. Et là, elle est partie chercher la petite à l'école. Exactement. Alors on va l'attendre. Ouais, pour le goûter. Pour le goûter. Ah, c'est une bonne idée, ça, le goûter. Ouais. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Merci pour la citronnade. Avec à l'heure du goûter. Avec plaisir. Vous, Sonia, vous faites des bijoux ? Moi, je suis bijoutière. Et qu'est-ce que vous faites précisément comme bijoux ? C'est des bijoux contemporains, en fait. C'est des pièces uniques. J'ai fait des alliances, je travaille beaucoup l'argent. Et après, ça peut être des commandes avec différents métaux, ça peut être de l'or, après, c'est du sur-mesure. Vous n'intervenez pas dans le travail d'Anthony, et Anthony n'intervient pas dans votre travail, ou de temps en temps vous échangez, vous dites tiens, fais ça. C'est un peu compliqué des fois, mais... Ouais. Comment ça c'est compliqué ? On arrive des fois à faire des choses ensemble aussi. Et des fois on s'engueule comme à la maison. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Vous êtes heureux ici ? Bah oui. Ah oui. Ça se voit. Au revoir.
très beau, ça. François, quand on arrive dans cette école, on est d'abord impressionné par le volume de l'école. C'est un super outil, non? Oui, en réalité, il y a beaucoup de surface, mais la vie dans l'école est assez facile parce que c'est assez dense et les choses ont été bien pensées. Il s'agit d'un ancien lycée professionnel qui a été réhabilité, et nous sommes ici depuis 2009. C'est l'architecte Jean-Paul Philippon qui a fait cette réhabilitation et au cœur d'un quartier populaire, ce qui était, plus encore qu'aujourd'hui, un vrai symbole et quelque chose d'assez exemplaire. C'est pour ça qu'on voit une cheminée dans le fond? Voilà, c'est pour ça qu'on voit une cheminée dans le fond. Ça, c'est un bâtiment qui est plutôt des années 30, qui est en briques, vous avez vu. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les étudiants parce que cette école est faite de différentes strates, hein, avec des différents styles aussi. Donc c'est plutôt un bâtiment des années 30 et effectivement, la cheminée fonctionnait, on l'a laissé comme un symbole, un souvenir de cette mémoire de l'école. Quoi. Alors, vous êtes installé ici depuis 2009, mais avant, l'école d'architecture n'était pas là, elle a déménagé. Les 6 écoles d'architecture parisienne sont issues de l'éclatement de l'école des Beaux-Arts. Après 68, hein, l'architecture s'est séparée de l'enseignement des Beaux-Arts, qu'on jugeait très académique, très traditionnel. En même temps, c'est une école qui est aussi restée sur les fondamentaux, hein, de l'enseignement de l'architecture, et notamment le dessin, les arts plastiques ont une place dans la pédagogie de l'école assez forte, et c'est peut-être une des singularités de cette école. Cette école est dans le quartier de Belleville. Il y a une raison particulière? Cette école, elle forme des architectes, mais elle est au cœur de la ville, au cœur d'un quartier populaire, qui est resté un quartier populaire. Et évidemment, on ne fait pas d'architecture, en tout cas, on ne fait pas de bonne architecture sans attention au contexte. Et donc, c'est très important, moi, je pense, pour les étudiants et les enseignants, pour nous tous, d'être au milieu de la ville et d'être attentifs à ce qu'est cette ville ici, de ce quartier-là de Paris. J'imagine qu'on doit être fier de diriger une école pareille. Ben, en effet, moi, en tout cas, c'est un endroit où je me sens très bien, où j'ai très envie de contribuer avec les enseignants, avec les étudiants, à faire avancer les choses et à le faire le mieux possible. Quel est votre endroit préféré ici, vous? Mon endroit préféré? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les bâtiments sont organisés autour de ce jardin clos, ce patio, et que du coup, il y a une sorte d'intimité et aussi d'aération, hein, de lumière qui rentre partout dans l'école, et ça en fait un lieu très agréable. Ouais, c'est très réussi. En tout cas, ça donne envie de reprendre ses études. Exactement. C'est la réflexion que je me fais depuis que je suis là. Et alors? Et alors, peut-être que je vais me réinscrire, je vais recommencer. Bonjour Frédéric. Bonjour Yvan. Quel endroit magnifique, on se croirait pas du tout dans un hôpital. C'est vrai. Et pourtant, cet hôpital Saint-Louis, c'est l'un des plus vieux de Paris. Oh, un des plus anciens, vous avez raison. Alors, il est né, j'ai envie de dire, à cause de la peste. 1568, une terrible épidémie qui décime 70 000 personnes à Paris. Wow, 70 000. Ah oui, alors d'un seul coup, en quelques jours. 1603, 1604, sous le règne d'Henri IV, on est toujours sous le règne d'Henri IV, encore des épidémies. Donc il décide de désengorger le seul hôpital qui était à Paris, au cœur de la capitale, qui était l'Hôtel Dieu, qui était situé sur l'île de la Cité. Alors il faut en construire un autre, et puis le plus loin possible, parce que arrêtons de mettre les malades qui peuvent transmettre la maladie au cœur de la Cité, c'est quand même trop dangereux. Alors on va construire bien loin, on va trouver des impôts, on va trouver des sous, parce que les caisses de l'État sont vides, et finalement on va réussir à construire ce que vous voyez là. Donc on est dans la construction quoi, du début du XVIIe siècle. Avouez que ça ressemble un peu quand même... À la place des Vosges. Exactement. C'est le même architecte. Alors, vous avez raison, Claude Villefaux. Et en plus, on appelle ça ici la petite place des Vosges, c'est vous dire. 120 mètres de côté, avec toujours cette architecture, avec briques et pierres dans les angles et sur les façades. Bref, c'est quelque chose de sobre, mais de très efficace. Et après la Révolution, ici, on a surtout soigné les problèmes de peau, la dermatologie. Alors, faut pas s'étonner. Quand on pense peste, on pense à ce feu qui vous brûle à l'intérieur, et puis ces déformations de visage, de peau, cette disparition de doigts, enfin, c'est affreux. Et voilà pourquoi il y a ici un petit trésor, en tout cas pour les étudiants en dermatologie, il y a un petit musée que je voudrais vous montrer, si vous avez deux petites secondes. Ah ben j'ai deux petites secondes avec allez, vous. Allez, venez, venez, venez. Allez, venez. Petit bras dessous. Ah. Tenez, c'est juste là, venez. Là, 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 là. Venez, venez. Bon, un petit coucou à Saint-Louis, là, okay. Sous son chêne. Parce que c'est l'hôpital Saint-Louis. Hein. Alors je vais vous montrer, là c'est un musée des moulages. Mais alors quel moulage, vous allez voir.
Oh, venez, venez, venez. Entrez, regardez, c'est juste là. Oh non mais, avouez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais c'est étonnant, non? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais mettez-vous à la place d'un élève en dermatologie. Vous avez un véritable trésor ici. 4880 et quelques moulages, s'il vous plaît. Alors, tout ça, ça a commencé dans la seconde moitié du 19e siècle par un don, en 1866, très exactement, un don d'aquarelle. Des dessins qui représentaient certaines maladies de peau. Comme on est dans un centre de dermatologie, ça a intéressé les professeurs, évidemment. Et puis, on s'est dit, mais il faudrait faire mieux. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas des moulages de ces malades pour vraiment se rendre compte? Et du coup, il y a un artisan qui était dans le quartier, qui travaillait des fruits, comme ça, qui présentait des faux fruits en moulage. Et bien, on lui a demandé de venir. Et puis, ça a emballé le corps médical. Alors, des moulages de visage, mais aussi de membres, enfin bref, de toutes les parties du corps qui peuvent être touchées par ces maladies de peau. C'est ouvert au public ici, on peut visiter? Oui, c'est ouvert au public sur réservation, il suffit de téléphoner et de prendre rendez-vous, mais les horaires sont larges et puis les jours aussi. Et puis alors je voudrais juste quand même signaler qu'il y a quelques infiltrations au niveau du toit et que le musée lance un appel aux dons pour conserver ce trésor. Donc si on peut faire un don, on sauvera ce musée. On va y aller, hein, parce que c'est spectaculaire, mais c'est un peu pesant comme ambiance. Vous êtes un peu pâle, là. Ouais, pourtant vous avez un joli visage, venez voir, venez, le docteur est là, on va s'occuper de vous. Allez. On va gagner un moulage de plus, 4884. Bonjour Andrea. Bonjour. C'est vous qui avez la tête dans les olives? Tout à fait. Alors je suis où ici précisément? Dans un petit coin d'Italie, de Sicile? Vous êtes en Sicile. En Sicile, tout à fait dans la Valle del Belice. C'est la partie sud-ouest de la Sicile. Ah, c'est précis. C'est précis. Tous nos produits viennent de là-bas. Donc c'est une zone où on produit de l'huile d'olive? On produit de l'huile d'olive et pas seulement des olives et tout le reste. Une partie de nos produits et après ici en boutique, on fait aussi de l'assemblage. C'est moi qui m'occupe de ça. Donc surtout les produits où vous voyez écrit Andrea, ben Andrea c'est moi. Alors il y a d'autres produits, il n'y a pas que de l'huile d'olive? Ben il y a les olives, il y a les pâtes, il y a le coulis de tomates, il y a les conserves, il y a les confitures, il y a la crème de pistache, il y a la farine. Il y a les douceurs d'amandes, lait, etc., etc., le pesto de tomates séchées et plein d'autres choses. Il y a plein de prénoms différents sur les produits. Il n'y a pas que Cédric, il n'y a pas qu'Andrea, il n'y a pas que vous. Non. Tous les autres noms que vous voyez, notamment Marco dans ce cas-là, ben, c'est la personne qui nous vend les olives. Et il n'a pas seulement des olives. Donc dans ses champs, il a des champs de blé. C'est avec ça qu'on fait la farine, qu'on fait les pâtes. Tout est produit comme ça. Donc il y a une grande traçabilité, on sait vraiment d'où ça vient. Oui. On peut acheter de l'huile d'olive en vrac? Tout à fait, c'est notre but à la base, c'est un truc très beau. Vous venez avec votre bouteille et nous on remplit la bouteille en vrac directement. Je vais y goûter, je vais la prendre. Bah oui. Hein? Alors ça se prend comme ça, la petite cuillère? Oui, tout à fait. Vous faites rentrer un peu d'air une fois que vous l'avez en bouche. Waouh. La texture est très belle, très soyeuse, comme je vous disais, très enveloppante. Et un goût, une intensité vraiment prononcée. Ah oui, c'est impressionnant, ça n'a rien à voir avec les autres huiles d'olive. Merci Andrea. Merci à vous. À très bientôt. Mille. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ah, Cédric. Bonjour. Le patron. Comment ça va? Ça va et toi? Ça s'est bien passé? Super. J'ai goûté André. Une huile d'olive ancienne, très âgée. La Multidara. Waouh, une merveille. Ah. C'est toi qui as eu l'idée d'ouvrir cette boutique? Oui. Comment s'est passé? D'où vient l'idée? La boutique, on me l'a proposée en 2007, j'habitais le quartier et il fallait que j'ouvre une boutique. Ça faisait 4 ans que j'étais en train d'expérimenter en Sicile, sur les terres. Il fallait ouvrir la vitrine. Le quartier n'était pas aussi joli, c'était en train de se reconstruire. Il y a un côté Palerme, il y a un côté La Boca d'Argentine, enfin, il y a un côté méridional, un côté espagnol. Je me suis retrouvé, je me suis dit, bon, on y va, on essaye. Et après, tu as développé sur place avec tous tes copains, producteurs d'huile d'olive. En fait, après, je suis reparti pour... Bella. Et après, je suis reparti en Sicile pour mettre en place, en fait, cette idée que j'avais, qui n'était pas évidente. Parce que la récolte, c'est sportif, hein. C'est des nuits de 3 heures. On récolte toute la journée, on extrait la nuit. C'est intensif au terme de sommeil. J'ai peu de sommeil.
toutes les olives arrivent en même temps, il faut gérer tout en même temps. Je travaille sur 4 machines, on travaille sur l'existence. Il y a des moulins, j'ai choisi des moulins qui sont en place là-bas. Tes clients sont qui? Ben, c'est tout le monde. J'ai du quartier. J'ai vraiment une belle clientèle de quartier, de Paris, des restaurants, dehors de Paris. La rue, moi, je suis très content d'avoir rencontré la rue. En ouvrant ici, j'avais aucune idée de ce qu'elle allait se donner avec la rue. Hein. Merci. Ben, avec plaisir. Garde la tête dans les olives. Dans les olives. À bientôt. Bonne balade. Hein. Oui, à mon vélo. Tu repars? Je te regarde partir. Salut. Ciao. Bonjour. Si vous voulez vous restaurer, il y a vraiment le choix rue Saint-Marthe. Et vous pouvez goûter à toutes les cuisines du monde entier. Moi, j'ai choisi d'aller au Jumbo. C'est un restaurant africain et c'est plutôt rare dans la capitale. Bonjour Pop. Bonjour Yvonne. Enfin plutôt Jumbo, parce que je crois que ça veut dire bonjour en rwandais. En Swahili. En Swahili. Swahili, c'est la langue de Zanzibar. Voilà, le fameux Hakuna Matata. On est où précisément? On est dans un restaurant rwandais. On est dans quelle partie de l'Afrique? Alors, moi je suis rentré donc il y a maintenant 9 ans en France, après 20 ans de mission humanitaire, et j'ai voulu montrer une autre image de la cuisine africaine, qui avait une gastronomie. Donc j'ai ramené des recettes, alors mon épouse est rwandaise, j'ai ramené des recettes du Rwanda, du Burundi, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Sierra Leone, de plein de pays. Donc on fait découvrir autre chose que les plats traditionnels africains connus en France, c'est-à-dire le mafé, l'yassa et le tiep. Voilà. Et tu l'as appris comment cette cuisine? Sur le terrain. En regardant? En faisant. Là, tu es en train de préparer le repas du midi? Alors là, je suis en train de préparer 3 accompagnements. Donc ça, c'est du manioc. D'accord, je vais te demander de l'éplucher après, je vais t'expliquer. Mm-hmm. Voilà. Alors, ce que je vais te montrer, c'est donc, regarde, hop, on va le faire comme ça. Donc tu vois, il y a la petite peau marron. Ouais. C'est très important parce que le manioc, donc il y a de l'arsenic dedans, très peu. Donc ce qui est important, c'est bien de retirer. Donc il y a une première petite peau et puis il y a une petite cosse dedans qu'on fait sauter. Et c'est là où il y a l'arsenic, dans la cosse? Voilà, et puis après on le lave bien. D'accord. Ah oui, c'est long. Comme ça. C'est pas aussi simple. Alors, à Paris, on utilise ça. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, ça, voilà, tu vois. Alors, comme je te disais, Yvan, je fais de la médiation, c'est-à-dire de la maïotique. Ça, c'est mon vrai métier. Je crée des dialogues entre les gens qui sont en conflit. Et ça, c'est le plateau partagé. Donc, on fait très souvent ça à l'africaine, c'est-à-dire tout le monde mange ensemble dans le même plateau. Eh bien, on va inviter toute l'équipe à manger. On va faire avec grand plaisir. Donc là, je vous ai fait 2 plats. Vous avez donc du PDG, c'est le poulet directeur général camerounais. Le fameux PDG. Le PDG camerounais. Là, vous avez une spécialité rwandaise qui est le ragoût rwandais de bœuf manioc. C'est le manioc qu'on a défait tout à l'heure, qu'on a fait cuire d'abord à l'eau dans du curry, puis après qu'on a laissé mijoter. Donc il y a les alocos, les bananes plantains, on a refait des frites de manioc et patates douces. On y va. Bon appétit. Merci. Vous venez, les garçons? Oui. Ça tient droit. C'est bon ça, hein? Ouais, c'est délicieux. Ça, c'est des petits haricots. Bonjour. Allez, on trinque. Ouais. Tune. Allez, on a trinqué pour fêter la fin de cette émission. On a passé un super moment dans la rue Saint-Marthe. Super. On a découvert des gens extraordinaires. Pop, Flo. Merci. Merci à vous. Bon, ben, je vous invite à retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et sur France3.fr. On continue? One wadi kayesu, one wadi chamungima, eh one wadi kayesu, one wadi chamungima, kakongo don kodi kanyo, one wadi kayesu, one wadi chamungima, kamonde don kodi kanyo, one wadi kayesu. One wadi chamungima, ni one wadi kayesu, one wadi chamungima, kakongo dong kuhikane, one wadi.
wanwa de kayesu, wanwa de chamungima.